Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Clash Royale. Comme vous pouvez le voir, j'ai un gramme filmé avec mon bizen directement. Alors si vous entendez l'écho, c'est normal, vous inquiétez pas. En fait, j'ai mal au ventre. Et le problème, c'est que faut que j'aille aux toilettes à chaque fois. Et voilà. Alors, normalement, vous devez réussir à m'entendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se faire un petit combat. Vite fait. Et voilà. Alors, normalement, je vous expliquerai à la fin du combat les réglages que j'ai sur le téléphone. Voilà. Avec mon business. Je vous expliquerai comment l'avoir. Attends, par contre, faut que je mette ça là. Voilà, voilà, attendez, on va le mettre plutôt mieux. Voilà. Ouais, c'est seulement qu'il a déjà activé son truc, c'est cette short. Cette short, regardez, moi je vais placer mon truc là. Voilà, quand ça l'outil attaque là-haut directement, et je suis tranquille. Tant que l'autre il réagisse. Ah, il a mis un ballon, ça va être short. Si le ballon n'attaque pas le truc, c'est bon. Ah voilà, bon, vous voyez. Hop. Bon, moi il me reste pas grand chose. Hop, voilà, ok. Ah putain, il y a qui, il a mis son truc en route. Hop, voilà. Vous voyez, tranquille. Alors, pour l'instant, on va mettre la caméra là. Non, on va aller sur mieux, parce que sinon, je vois pas ce truc. Qui m'envoie. Et ça va être short. Hop. Ah, voilà, bah, je vais regarder. Tac. Il est mort. Alors moi pour l'instant je suis pas encore mort. Là je vais être mort. Bon, là vous avez vu que je vais gagner directement. Voilà, on va mettre le truc. On va le mettre là. Attendez, hop. Voilà, faut que je mette ça là. Voilà, regardez, hop, là, voilà, tac. Hop, on va envoyer le chevalier là-haut. On va envoyer, hop, voilà, tous les machins là. Hop, on va envoyer des trucs. Hop, on va envoyer des trucs là. De toute façon, j'ai gagné. Il est mort. De toute façon, il est mort. De toute façon, il est mort, j'ai gagné. Ah non, mort subite. De toute façon, il est mort. Voilà. Vous voyez, il est mort. Voilà, on va mettre ça là. Bon. Bon, même maintenant, les amis, on va aller directement sur le téléphone. Voilà. Alors, c'était juste un petit jeu comme ça, vite fait. Je vous ai fait voir, vous voyez qu'il me reste 47% de batterie. On va faire vite, les amis, on va faire vite. Ne vous inquiétez pas. Alors, première chose, vous allez sur votre Play Store. Attendez, si j'arrive, voilà. Vous allez sur votre Play Store. Un coup que vous êtes sur votre Play Store. Attendez, hop, tac, je mets sur mon deuxième, sur mon compte. Et j'ai trois comptes sur le téléphone. Je sais que c'est pas bien. Mais voilà, je suis bien obligé. Alors, un coup que vous êtes sur votre téléphone, vous marquez Mobizen pour Samsung. Ou Mobizen pour Samsung.
C'est celle que j'ai aussi sur ma tablette. Alors, normalement, non, on va se mettre là, comme ça. Voilà, comme ça, on va se mettre là. Vous avez normalement mobile, normalement c'est marqué enregistrement d'écran mobile. Vous cliquez sur, voilà, normalement c'est Mobizen. C'est marqué enregistrement d'écran Mobizen. Vous l'installez. Un coup que vous l'installez, on va fermer ça. Normalement, vous avez l'application Mobizen, c'est celle-là. Un coup que vous avez cliqué dessus, moi j'ai les petites icônes en haut à la droite. Bon, là je pourrais pas vous faire voir exactement les réglages que j'ai vu que le téléphone ne veut pas. Bon, allez directement, on va cliquer directement sur le truc. Voilà. En fait, moi j'ai cliqué directement sur le petit icône pour bien vous faire voir. Alors là, normalement, l'enregistrement résolution d'écran. Moi, normalement d'origine, en fait, normalement d'origine, ils sont à 240p. Je les ai mis à 248p, 280p. J'ai doublé. La qualité, c'est pareil. J'ai doublé parce qu'ils étaient à 0,5 m. J'ai doublé aussi. Ça, on va fermer ça. En FPS, j'étais à 10. Je crois que c'était 10 FPS. Si je ne me trompe pas, voilà, c'était à 10 FPS. Bon, c'est pareil, j'ai changé aussi. Qu'est-ce que j'ai changé là? Bon, là, il n'y a plus rien à voir. Je laisse ça, enregistrement audio, je le laisse. Après, j'ai activé la caméra frontale, comme vous pouvez, je pense, le voir. En fait, la caméra frontale, c'est celle qui est juste devant votre téléphone. Mais il faut avoir un téléphone qui fait que vous avez les deux, une caméra frontale et une caméra arrière. C'est-à-dire que ça fasse le double en fait. Vous ayez au moins les deux caméras. Là, j'ai aussi désactivé Filigrane. En fait, c'est le petit Filigrane que vous avez en bas à droite. C'est marqué ne pas afficher le Filigrane dans la vidéo d'enregistrement. Voilà, c'est ça. Après mon compte à rebours, j'ai laissé à 3 secondes. Je pense que vous pouvez, vous voyez, soit le désactiver 5 secondes ou 10 secondes. Et ce sera mieux de le laisser à 3 secondes, je pense. Geste tactile. Et je ne l'ai pas activé. Temps d'enregistrement, en fait, si vous voyez, c'est le truc, le petit carré là où vous voyez qu'il a marqué 7 secondes, 7 minutes. C'est ça en fait le principal. Après, stockage. Moi, j'ai directement enregistré je pense, sur la carte SD et non sur la carte du téléphone. Ou je sais plus si c'est enregistré directement sur le téléphone ou sur la carte SD. Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est enregistré directement sur le téléphone. Puis voilà, je pense que j'ai tout dit, tous les réglages à faire. Voilà. Alors, là, par contre. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo-là. Si vous l'aimez, mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.